Ote nabino bande ko ya PPDC résistance keto PO ya parti politique démocrate combattant. Lo sako nabino pense. Et zali moi et Sengomingi, lokola tozali ko solola lisusu na mokolo ya lelo. Etikala ki moi mikolo ebele o tout ko solola te. Nazalaki na hôpital. Parce que moi, Donc, Batou, Bangounia, oui, c'est pas la rater que, puisque tu le rambo cannabiso, qui est un bon cannabiso que ça avançait, Bangonde, Bazali, ko lingate que, tout Bazala Yakoye Bana, et tout Zala Yakolobama, tout Panzaba Sango, pour que Batou va comprendre l'idéologie que tu as lui proposé. Ce qu'on a commis, moi bien, santé, Zuma Makassi, et puis. Nakanisi que moi pas ces amants moqués mais Nzamba Kosunga et puis Akosala que Moussala et Kende Malam. Et là qu'on a rien à l'obénabino, ezali que nazali déjà qu'on remercie bah au bah au Kolandabiso, Mikolonyoso, bah peu au bah Landakabiso, na équipe ezali na Katia Mboka, pe équipe ezali na bah Mboka Mboka, Bipsikanyoso ya et bah, Congolais bah vendent à Kanamikili et puis en Afrique donc nous allons déjà copier ça bon bah remerciement y a épilé pour Moussa les alliés moi Makassi mais bah tout bas alliés Moké bon bisous tous à Banamiké bon tous alliés pas Moké à la fois mais tous alliés à quoi bah dans le cas bah Monsieur Souté Kobino Boyebi au bas alliés déjà en place depuis Mokili Nabiso et ils ont acquis l'indépendance et puis ceux qui to tigaké bazala la position de bazali to kozala jamais avancé tozala jamais avancé donc yango tozali koyana moi moke tozali ko mekape tozali ko mettre en place pour nous permettre que ba oyo balingi kembo kanabiso et zalana changement démocratique. Et la démocratie est côté Nakati, et bah, il y a ébélé, il y a comme ça, comme ça, tout tambola na bango et longo. Na outaki kozwa, moi, nda kumoko na commune ya Massina, na quartier Mabuidi au numéro 2. Donc, c'est Mabuidi, numéro 2. Donc, commune de Massina, quartier 3. Et Zali, pour nous couper ça, moi, pour nous, ma camionnette, nous allons faire ça là pour Tolingi, Polo, Polo, Tolingi, Koloba. Mais action, et c'est un ami qui vous a dit, pour ceux qui ont un tour, qui ont un bon sambo, Kawana, et vous savez que tous allons déjà dans la structure où ils ont permettre que la nouvelle démocratie qui arrive, qui puisse être quand même assez bien accueilli et par des gens compétents. Il y en a tous qui Mwanda Kouana, mais n'a évité. Par contre, et là on est dans un comprendre pour moni tout petit qu'on soit d'accord et puis tous allés dans un voisin voisin mon quoi monnaie. Donc PPRD, ils allaient voisins d'Abisso pour Abisso tant aux Zundaku, après il y a Monique et Seigneur cause à la Pemène, il y a PPDC. Donc bah na éviter tina na eso qui ne 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 so ou soit pour na ko pekisa que to lobe na ma kambo ou pour na ko bangisa que to lobe na te et puis ce que to yebi na kanisa ka kozo na côté à IDPS mais à Tiki IDPS c'est quoi est-ce qu'on a côté à PP à PPDC donc on a
Kin, PPDC Kin, nouveau centre. Donc, ils vont permettre que tous allons en confrontation assez directe. Mais, bisous de l'ingé, ma cambo, et ça, on en est mort à Kitoko, faut tous allons déclarer. Il faut que tout ça, là, tout, que partie n'a pas été reconnue officiellement. Pour que l'activité de la mission soit autrement dans ça, là, et ça la normalité, la voie normale. Donc, les locaux, eux, ils sont là, que eux, basali, moi, croyez, bâté, pourquoi tu le voyais déjà que tu es Kenenamboka et puis tu mettre en place quelque chose, donc si tu es Kendeki et si tu es les locaux, mais si tu es allé, au Belela, na baillé, oyo balingi. Baya, pe basali sabiso, baya, pe tout salon abango, baya, pe tout tambo la yalongo. Donc, et vous allez bien. Comme ça, ceux qui ont dit qu'on recrutait, étudiants, intellectuels, jeunes, ou qui ont coupé sabiso, moi, ma kasi, et vous allez malam. Et puis, pe baye, basana ma coquille, ou bah, que vous allez soutenir, biso, que toi, qui est toujours le bosso. Bah, vous allez être toujours bien accueilli parce qu'on a besoin de tout. Bien que vous allez ramener l'idéologie à Sika, mais vous allez avoir la formation ma société pour bon bazar dans Bambongo et Bélé, puisque Bambongo est salité. Donc, idéologie et puis la force personnelle n'a pas changé Mboka et on est aux alliés Ndengwana. Et pour la bateau, il y a un but, il y a un soloté, Makambo, Tolini, Kosana, Katambogate, et Sengomingi, Kebaïa, Obanajako, Landabiso, et Batanga, Makomi, Oto Komaki, comme ça, il y a positionné Tosali. Pourtant, Tosor Rebelle est là, Tosor Tia, démocratie, Nagatambogate, mais ce n'est pas le baquet, démocratie, et c'est Kota déjà, et c'est Vanda, et puis, et ça, la Mangalogote. Donc, on a dit que démocratie est kotaki na combo. Kotaki na combo na katambo kanabiso, mais koti vraiment te en tant que démocratie. Parce que vous allez toujours dans un système qui est une dictature, vous allez dans le temps et dans le Dans le temps, vous allez dans le Mobutu, vous allez dans un système unitaire. Donc, il y a simplement un chef qui avait plusieurs bras, qui était affilié dans plusieurs branches associatives, gouvernementales et autres choses. Donc il était le chef suprême qui devait être chef en tout. Bon, sauf que là, on fait rentrer le multipartisme et ensuite, et ça permet qu'on puisse dire que, bah, tiens, vu qu'il y a plusieurs partis et que nous pouvons dire que notre pays aussi est pays démocratique. Le pays de la démocratie, je dis non. Parce que nous sommes toujours dans un système dictatorial où ils ont remarqué que mon conduit est allé en place et Sengi a croyé que ce qui a lingé que la démocratie est vraiment assis et ils ont reconnu et que Sengi a yébisaka déjà la population que. Sali tant on a eu, on attend la démocratie, c'est un raquet, Moutoussoka sali à sali. Donc, à sali, à tiki tant on a eu, pour que Moussoussou Bakoya, pardon, au Royaume de Sima, ça là, on peut pas baki ça, la maille, oyo, yé, à coquiter comme ça. Il y a un an de toujours obéir là, que démocratie est quotidienne dans le cas de Mboka Nabiso. On a tenu le point de parenthèse, on a dit quoi? Enfermé parce que il y a pas donc si quoi mon salaire n'est pas au plus de la carte la démocratie autre ligne pour faire restaurer la carte en bon cannabis vous allez déjà quoi en tant que force le nouveau force centre centriste la carte en bon Congo donc pour l'année n'est toujours au bel là le nouveau force centriste. Pour ceux qui ont le lobby que vous allez, le centriste, c'est que vous allez
qu'on revendiquait l'idéologie où ils allaient être déjà en place dans le parti centriste où ils étaient déjà existants. Mais par contre, nous, nous sommes le nouveau parti centriste. Donc, nous ramenons du nouveau, parce que dans le nouveau, il y a quand même le mot nouveauté. C'est le renouveau de ce que les forces centristes de par le monde qui le font et qui ne marchent pas totalement. Mais nous, on ramène le renouveau de ces centres et ces renouveaux dans le centre que nous mettons au service du peuple congolais pour faire instaurer la vraie démocratie chez nous. On travaillera par le biais associatif avec des groupes qui existent. Nous allons faire les approches pour ramener notre idéologie, pour leur permettre de pouvoir le comprendre et aussi de travailler, mais dans de bonnes conditions, selon la modalité que nous allons nous convenir avec eux pour permettre que nos jeunes puissent vraiment s'intéresser à tout ce qui concerne la nation et tout ce qui concerne la commune, les quartiers, la ville, qui puissent s'intéresser à la vieille mère ou aux vieux qui sont aux alentours pour qu'ils puissent vraiment devenir, en sachant que ces vieux-là, ils sont aussi nos vieux, ou que ces jeunes, les plus petits qui sont dans les quartiers, sont aussi nos jeunes. Si nous leur laissons, si nous n'en occupons pas, ils ne vont pas vraiment s'intéresser dans notre pays et nous risquerons aussi à nouveau de voir les mêmes choses que nous, nous avons vécues aujourd'hui parce que nos aînés ne se préoccupaient pas de notre devenir. Mais qu'on s'occupait d'un avenir, d'un bisauté. Et on est singaki et ça là qui que tout comme un peu désorienté par rapport à l'événement où ils vivent. La carte en bourgogne biso po tout ça là qui mingi intéressé na quantité. Tu vois qu'on s'est réveillé mais ça là qui trop tard faussé ça là qui déjà. En parenthèse on a dit que c'est que bah tu vas courir bah but c'est PPDC et vous allez na carte en bourgogne Congo. Et puis mosala nini tokosala wana tokoloba yango mingi te po omoni ezali eloko tolingandaka kotia en place ntango tokopublie bamakambo wana nyonso wana biloko nyonso tokopublie ekozala koyebana me mingi mosusu ese ebimaki deja ekosengama na baye oyo baza na besoin ya kotanga yango bakotanga yango na bapage nyonso ebengami ya mbole kangila mbaki omangikila ou en bolé NKMB Mangekila, Yemoko Sami Kangilambaku Mangekila, ou le PPDC, tous les branches de PPDC, KIN, PPDC, Monde, et puis Bogomon, donc Nyoswana, donc ceux qui ont fait le combo, ya Mbole Mangekila. Donc, Romona Kamounio Sekorobima, ou soit métier parti politique démocrate combattant, beaucoup tant à Bama commis autre que Kotia pour nous permettre, Bayo Bazangi Koeba, Banani Ba combattant, Banani Ba voyou. Comme ça, vous allez moi n'a pas de différence, vous voyez, que n'a pas groupe n'y a pas de salamaka, Batou, Yamalam ou Bazalaka, Batou Yama BP, Bimaka. Est-ce qu'on a battu un amabé, ce qu'on a dit qu'on généralisait battu nyonso, on a dit aux amabé. Il y en a fondant le bas. Donc, ce qu'on a dit, tu as eu exemple, tu as eu la Katia football, au bout d'un joueur, il y a un malamou, au bas d'un bon style de jeu, et puis au bout d'un joueur, il y a un malamou, il y a un style moko ya mabé. Donc, et au sein de la Siko, ok, tout le monde a dit, Baba nani o bazali na style malamu et puis to benga ba oyo bazali na ba style to zali komona ke ali moi dégradant par rapport à image to zali na représenté to sangisa bango pote to changer ba habitude na biso to changer ba bisabeli na biso pour na ko séduire population na biso o ezali ko banga combo ba bengi combattant
parce que tant bazoroyoka ke combattant bayoka ke azali mutu ya mobulu mais si ko mingi bazali ko ebate ke combattant sika biso tozali toujours au bout de la mboka et puis ba militaire pe na kati ya mboka na biso bazali pe ba combattant o bazali ko bout de la mboka na kati donc biso toujours au bout de la parce que to lingi ke bon bazala réveiller parce que va protéger biso malam parce que bon bazali réveiller ba ko pour protéger mboka na biso et kosengake biso to telemaka toujours te pour na kolobelaka makambo etali mboka et kosengake bango ba telema bazala ba mpinga na biso pour na protéger ka mboka ko maltraitera toute son population te pour que ma biloko wana nyonso etambola sikoyo but na biso en tant que parti politique et Rosala pour nako faire avancer Mbokanabiso pour faire avancer Mbokanabiso dans ma campagne sur l'Italie na Sitaki na quartier na commune et puis national babisikanyoso oyo toko s'implanter PPDC Rosala na idéologie yako na souci yako travailler plus dans la jeunesse pour leur donner les outils pour qu'ils puissent savoir quel rôle que nous sommes venus faire en RDC. Et à niveau national, donc toucher ma coignance. Bakwanyoso toujours est, ouest, nord, sud du Congo. Et pour la qui sait déjà que l'unité en Mboka Nabiso. L'unité en Mboka Nabiso pour ceux qui ont une carte en Mboka Congo, tu commis un parti politique démocrate combattant de toujours représenté. Et puis tout ce symbole na biso na kati pour nous relaxer unité en boka na biso aux gens valoriser ba ma kambo etali et kolo pour etali mboka na biso donc il y a un an net aux alli ko belelaka et puis ko la qui sa maillé oyo les alli ya makoki ya solo pour na baye oyo baye bi biso malamu mingi te donc et na kati wana bokomona ezali na ba principe ezali mingi te me ba principe ezali mpona kolakisa ke toye komema changement na changement na po toyali na idéologie oyo toye kofaire implanter mpona kolakisa bandeko na biso misusu oyo bazali na mikili ya poto oyo bazali na mikili ya Afrique et puis bah au basali na kati ya mboka Congo que tant aux amis pour présenter ka environ na baye au bako komo na bazo komo na déjà que au ezali ba symbole où il faut présenter environ le futur le RDC ou du parti politique à laquelle que nous présentons parce que là le symbolisme en question on parle de là où on va bengi qu'on appelle Ntsengo pour travailler la terre là où en français pour travailler la terre et puis les alliés ont dit ça déjà que homme congolais il doit être travailleur parce que nous allons pas faire développer notre pays en croisant les mains, en attendant que les autres puissent nous faire. Donc, nous allons, ça démontre que en labourant, okay, nous allons travailler notre terre pour l'embellir, pour faire nourrir notre population et pour que nous puissions aussi être en paix. Et puis, les arbres ça n'est pas une moussoussou. Oh, ils allaient, et là que tu allais au Benga, netti, où ils allaient,
la ou et puis awa ezali maboko maboko et puis na livre livre et puis a tozali na aigle et puis tozali na ba écriture oyo ezali kolakisa que toye na musala mpona kobongisa donc la ou comme je venais de dire c'est symbolisme puisqu'on ne peut pas tout répondre de A à Z mais nous avons relaxé toujours les alliés relaxés que donc ça là parce que ma belle n'a vu ses alliés la richesse énorme donc ce qui doit produire donc vous êtes capable il y a qu'au faire nourrir mieux notre pays donc et puis pendant Koloba que ezali na suite il y a idéologie Koloba il y a parc Pukangalozo au président ya Sika uti ko sala ben toyebi ke malgré mosala ya uti ko sala ko sunga biso na kati ya mboka mais et qu'on se suffire pour couvrir l'ensemble de la population congolaise. Donc, dans la OU en question là, l'homme congolais qui travaille, jusqu'à présent, nous allons perfectionner le système qui nous fait maintenir de pouvoir vivre mieux au jour d'aujourd'hui. Donc, en donnant des outils à ces femmes, ces hommes qui travaillent déjà, démontrera que la nation congolaise ou que le gouvernement auquel que nous pensons faire mettre en place va valoriser quand même le travail de tout cela. Parce que si on se contente tout juste de ce que le président qui est en place met, ça va pas vraiment. Ça va plus défavoriser ces systèmes-là qui existent. Donc, je pense que vous êtes en train de me comprendre, puisque si en enlevant ces personnes-là qui nous permettent de mieux vivre, leurs outils, parce qu'ils vont tout juste dire que tout vient des Bukangalozo, donc ils pourront plus faire. Donc, ça, c'est vraiment le tuer et les casser le travail. Mais en leur donnant des outils à cette personne-là, cette femme et ces hommes-là, nous pourrons être en mesure de créer une concurrence pour essayer de casser les prix. Les prix parce que ils ne pourront pas vendre au-dessus du prix normal, mais mettre les prix pour permettre à la population qui n'a pas assez de sous de pouvoir acheter et de manger convenablement. Voilà pourquoi ce sont des choses qui sont utiles pour la nation et pour la population qui en demande déjà davantage. Donc, dans l'autre symbolisme qui parle de la main qui tient un livre, ça démontre une sorte de connaissance, de savoir que l'homme congolais est maintenant en maîtrise de contrôler son histoire, de pouvoir l'écrire, de pouvoir l'expliquer et de pouvoir le mettre en pratique. Donc, nous ne pouvons pas toujours être le défendeur des idées des autres. Mais là, nous allons mettre nos jeunes en face pour qu'ils puissent penser au devenir de notre nation. Cela veut dire que on représente plus sous caractère à peu près de l'écriture qui a été retrouvée par un confrère congolais. Donc on parle de Mandombe et ces Mandombe-là, ça sera donc l'écriture. J'aimerais quand même dans le futur que nous puissions le perfectionner dans nos études, dans nos écoles, pour que ces enfants puissent apprendre à le développer et à mieux l'expliquer pour
faire des inventions ou pour développer assez le mental de notre jeunesse. Il y a donc une main qui tient le livre. Ce n'est pas le livre en un seul qui se tient tout seul, mais c'est la main qui tient le livre. Ces mains-là qui symbolisent quand même que ça capture, ça veut dire que nous avons maintenant notre connaissance. Nous avons maintenant le moyen pour faire en sorte d'inventer, de perfectionner pour redonner un renouveau à notre nation. Donc, ce sont de symboles comme ça là que on parle. Et dans l'autre, nous parlons d'un aigle. L'aigle, puisque nous savons dans l'histoire du Congo, il y a eu beaucoup de messagers puissants qui sont venus nous apporter la parole. Et le PPDC, Kin, Nouveau Centre, parle aussi de ces messageries, de messagers qui ils étaient déjà venus et qui continuent toujours à venir. Nous pouvons parler, comme nous connaissons, on avait eu un prophète qu'on appelle Simon Kimbangu, qui est un prophète qui est assez puissant pour le peuple congolais, que nous devrons le savoir. Donc, il est plus important aussi pour nous de faire comprendre que les messages de cet aigle royal permet que nous puissions connaître aussi l'histoire du passé de notre pays et de tous ceux qui ont fait que nous puissions être là aujourd'hui. Donc, toujours dans le symbolisme, nous parlons de loyauté, égalité et puis justice. Pourquoi nous parlons exactement de loyauté, égalité et justice? Parce que nous voulons que dans tout ce qui concerne notre pays, que nous puissions être loyal. En étant loyal, ça veut dire on va recadrer à peu près les choses. Égalité, c'est dans la justice et dans la vie. Parce que dans la justice, aujourd'hui, nous n'avons pas le même justice. Dans la vie, on n'a pas la même vie non plus. Donc l'égalité et la justice n'est pas vraiment équitable dans notre pays aujourd'hui. Donc il faudrait que nous puissions travailler là-dessus pour faire en sorte que nous puissions être égaux, mais il y aura toujours des gens qui gagneront plus, mais que nous puissions être égaux dans tout ce qui concerne, par exemple, dans la justice ou dans des choses courantes qui concernent les droits des citoyens congolais en général. Donc, en tout est formé autour de la carte du Congo qui représente symbole de l'unité de la nation Congo retrouvée. Ça veut dire que nous ne sommes plus en train de nous battre pour partager encore notre pays éteint, mais pour faire en sorte que tous, peuple congolais, unis, travailleurs, pour le devenir de notre nation. Notre idéologie que nous parlons du KRD. Le KRD qui symbolise ou qui signifie Congo, Royaume démocrate. Pourquoi Congo, Royaume démocrate, Congo avec K? Parce que nous voulons faire valoriser les symbolismes ancestraux. C'est-à-dire, les K représentent l'ancien Congo que nous revendiquons et nous aimerons quand même que nous puissions travailler autour de tous ces pays qui nous sont assez chers. On parle du Congo au Royaume démocrate. Et ce qui fait qu'on peut donc les démontrer sous forme de cette carte-là, qu'on peut voir. On voit qu'il y a le Congo Kinshasa, Congo Brazzaville, et puis
Congo-Brazza et puis Congo-Angola. Donc, et nous essayerons de travailler avec ces pays pour permettre de pouvoir nous reconnaître, parce que ça fait assez longtemps que nous sommes déjà séparés, mais le Congo jusqu'à aujourd'hui va toujours mal. Et nous savons très bien que solutionner les problèmes congolais sans prendre en considération tout le cousin proche ou des frères proches, ça ne sera pas assez facile pour que nous puissions retrouver la paix. Travailler avec eux permettra aussi de pouvoir développer des choses ensemble pour que nous puissions mieux vivre, mieux nous connaître, faire des marchés ensemble et faire des échanges et faire tout ensemble. Donc, ça sera déjà le début du commencement de ce que nous pouvons appeler le futur Congo de demain. Parce que si en travaillant ensemble, cela veut dire que nous sommes dans un État fédéral des États Congo. État fédéral des États Congo, c'est ce qu'on appelle les KRD sous symbolisme des Congo Royaume démocrate. Parce que si on s'apprend à se connaître, si on s'apprécie et si on est mieux, on se sent mieux pour que nous puissions être ensemble, et ça sera assez facile que nous puissions retrouver facilement l'unité qui était le nôtre auparavant. Ce n'est pas une chose anodine qu'on en parle. Nous avons fait des études assez poussées sur cette histoire, en sachant que nous sommes assez proches pour comprendre que il n'y a que des imbéciles qui ne changent pas des idées. Pour savoir que ben oui, nous sommes tous des peuples congolais, et donc le mal congolais, c'est un mal qui nous concerne tous, même s'il y en a certains qui se disent pourquoi seulement dans l'est du Congo qu'il y a plus de mal que par rapport à des restes du pays, ou de dire pourquoi des Angolais nous font tellement de choses ou des Brazzavillois nous font tellement de choses et que pourquoi nous devons toujours les tendre la main. Il faut savoir, il y a certaines choses qu'ils les font par ignorance ou parce que ces personnes-là ne veulent pas que nous puissions nous retrouver. Donc, ils essayent de faire maintenir un climat de la haine pour que nous ne puissions pas nous retrouver. Et nous savons tous que nous avons des familles proches, des amis proches ou des cousins proches qui sont issus de ces pays-là. Donc, il y a des choses que nous devrions être au courant et savoir que de se dire que ben oui ça ne pourrait jamais marcher. Moi, je suis confiant. Je pense. Donc le PPDC, c'est un tout qui vient avec toutes ces idées-là, qui vient avec une nouvelle idéologie pour remettre la paix sur toute l'étendue du Congo et puis au-delà du Congo pour essayer de retrouver l'unité de l'ancien Congo. Qui était la leur dans le passé. Mais nous savons aussi que tout cela ne pourra pas se faire tout de suite. Il y aura donc des processus que nous allons lancer pour que ça puisse être fait. Mais nous savons aussi que avant de mettre tout cela en place, nous devrions d'abord travailler pour trouver aussi la sécurité autour de ces pays limitrophes qui nous font la guerre. Nous parlons de Rwanda, nous parlons et les autres pays qui sont autour. Donc, trouver des ententes avec eux pour qu'ils puissent comprendre que nous ne souhaitons plus voir des milices partir de chez eux pour venir nous faire la guerre. Chose que nous ne pouvons plus nous permettre. Nous travaillerons de sorte pour que ces citoyens-là qui se sentent en insécurité, de pouvoir être chez eux. Nous trouverons des solutions chez eux. S'il le faut, on pourrait donc déposer un projet pour favoriser
partage le Rwanda pour que ces citoyens, ou ce soit les Hutus et les Tutsis, puissent être assez séparés. Séparés, donc d'un côté peut être le Tutsi et de l'autre peut être le Hutu. Et le tout, on sait très bien que le Hutu peuvent être à l'approche de Congolais sous contrôle de l'État congolais pour assurer leur sécurité, et les Tutsis, ils peuvent être par exemple sous la protection des Kenya ou du Burundi ou des Ouganda. Donc c'est pour tout juste essayer de sécuriser en sachant que il y aura donc une base de la nation africaine qui peut stationner au milieu d'eux. Au Je milieu peux d'eux. pas Oui. toucher. Au milieu d'eux. Ouh. Un instant, Nadège, bien, Nadège. Nadège. S'il te plaît. Qui permet. Qui permet donc. Qui permet donc que les choses puissent être en paix. Donc c'est pour cela que nous allons travailler comme ça pour faire donc le Congo, royaume démocrate que nous parlons aujourd'hui, est quand même à la base de toutes ces choses que nous disons. Et il y a donc une valorique des choses que nous devons mettre en place, que nous devons dire pour que toutes ces choses-là puissent être en paix. Toutes ces choses-là puissent être en paix et faire maintenir cet équilibre qui nous manque jusqu'à présent. Donc, c'est sur les bases de tous ces éléments que nous allons nous baser et que nous allons le faire en sorte que la paix puisse être retrouvée dans toutes ces branches-là. Et je pense quand même que cela pourrait faciliter assez la tâche à tous ceux qui ne comprennent pas et à tous ceux qui ne veulent pas que nous puissions avoir la paix et on le trouvera et tout cela ensemble. Et, donc on essaiera de le mettre des choses pour que la paix, l'équilibre et puis toutes ces choses-là puissent être retrouvées dans la paix. Donc, on travaillera de force ou de gré. Je vous remercie quand même de tous les efforts que nous avons pu mettre en place, même si c'est assez difficile. Vous voyez, ce sont des conditions assez difficiles lorsque on est occupé ou que ce soit les enfants qui viennent essayer de perturber lorsqu'on parle de choses qui concernent le devenir de la nation. On essaye quand même de maintenir le cap pour que les gens qui nous comprennent puissent nous suivre, puissent essayer de comprendre l'idéologie que nous essayons de faire mettre en place. Donc, que notre Dieu nous bénisse. Je vous remercie de m'avoir suivi. Au revoir.